Bonjour et bienvenue sur la plateforme de soutien scolaire jerevise.fr. Aujourd'hui, dans cette leçon, je vais te montrer comment reproduire une figure dans un quadrillage avec des cases. Nous avons déjà vu dans une autre leçon qu'est-ce qu'un quadrillage. Quadrillage, ça ressemble à ça, c'est une simple grille. Mettons-y des cases rouges et la question qui va se poser aujourd'hui, c'est comment faire pour reproduire exactement la même chose dans une autre grille. Alors, pour copier cette figure ou ce motif, c'est très simple. Nous allons commencer par une case au hasard. Ici, je vais prendre la case tout en bas, à gauche. Ça va nous permettre de travailler plus facilement. On aurait pu prendre, bien sûr, une autre case. Je choisis une première case qui forme le motif et je regarde le trajet qu'il faut faire pour atteindre cette case depuis la case d'origine. Là, je remarque qu'il nous faut aller deux cases vers le haut, puis aller une case vers la droite. Je vais donc regarder de l'autre côté sur la deuxième grille et je vais faire exactement la même chose. Je commence en bas à gauche et là aussi, je vais me déplacer de deux cases vers le haut, puis d'une case vers la droite. Là, j'obtiens la case qui correspond dans la nouvelle grille. Je marque la case que nous avons déjà utilisée en vert et maintenant, je vais choisir une autre case. Je prends par exemple celle-ci et je regarde le trajet qu'il faut faire pour me rendre de la case verte à cette nouvelle case. Si je regarde bien, il faut simplement que je me déplace de deux cases vers le haut. Donc je vais faire la même chose sur ma deuxième grille et là aussi je me déplace de deux cases vers le haut pour obtenir la nouvelle case. Je marque en vert la case utilisée et je choisis une nouvelle case, par exemple celle-ci. Cherchons le chemin qu'il faut pour aller de la case verte à cette nouvelle case. Et là je remarque qu'il faut que j'aille de une case vers le haut et de trois cases vers la droite. Je fais la même chose sur ma deuxième grille, donc une case vers le haut et trois cases vers la droite, une case vers le haut, trois cases vers la droite, et j'obtiens ma nouvelle case sur la grille. Je marque en vert la case utilisée et maintenant je veux me rendre de cette dernière case verte à la case rouge ici. Alors je cherche un chemin. Et je remarque qu'il suffit d'aller de 4 cases vers le bas et d'une case vers la droite. Je fais la même chose sur mon deuxième quadrillage. Je vais de 4 cases vers le bas et d'une case vers la droite et j'obtiens la dernière case qui me manque. Voilà, nous avons fini de reproduire notre motif ou notre figure. Tu as remarqué, c'est très simple. À chaque fois, on cherche un chemin pour passer d'une case à une autre. Et on fait la même chose de l'autre côté sur la nouvelle grille.